Hello! Welcome to Open the Gate. This week, my very dear guest is a friend of mine. We call him Dr. Sunday. His name is Jean-Marc Dimanche. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans les studios de Open the Gate. Jean-Marc, on pourrait raconter plein de choses autour de toi, évidemment. On pourrait dire que tu travailles aux Beaux-Arts, que tu aides à sélectionner les jeunes talents pour l'énorme événement annuel des Amis des Beaux-Arts. Énorme. On pourrait aussi raconter tes multiples projets avec les artistes, leurs projets aussi d'artisanat, et toutes ces belles expositions que tu fais en Europe. Mais en fait, la seule chose qui m'intéresse vraiment autour de toi, c'est pourquoi est-ce que tes petites souris finissent séchées au fond du tiroir ? Je sais pas, ça vient sans doute de quelque part, de ma petite enfance. Aurais-tu des petits problèmes à nous raconter peut-être ? Mais pas ce soir. Alors mes petites souris, non, je les aime bien quand elles sont effectivement un peu écrasées, un peu aplaties, un peu momifiées naturellement. Mais je saurais pas complètement expliquer d'où ça vient, mais enfin ça vient de longtemps et de loin. T'as réussi à créer chez toi une espèce de cabinet de curiosité entre aussi cette espèce d'énorme mur végétal que tu as fait faire dans ton salon et toutes ces petites surprises qui se trouvent au tous les petits coins de ton appartement. Comment est-ce que t'as réussi à construire cet univers à travers les années et aussi avec les rencontres que t'as dû faire, j'imagine ? Ben, je crois que c'est le temps, l'accumulation des puis un peu le délire, quoi. Puis les rencontres que tu fais, tu croises un Patrick Blanc un jour à Chaumont, voilà, tu mixes avec la petite souris que t'as trouvée derrière l'armoire, et puis tu te construis un petit univers un peu fantastique, un peu théâtral, qui devient tien finalement. Donc, voilà. Mais je sais pas, c'est difficile d'avoir du recul par rapport à quelque chose que tu construis. Mm-hmm. Peut-être que les autres le voit comme un univers un peu comme un cabinet de curiosité, comme tu dis, mais je suis pas sûr que quand on le construit, on pense à cabinet de curiosité. D'accord. On rentre chez toi, il y a tout un travail de lumière, il y a de très belles œuvres qui sont au mur, on a cette espèce de clash entre la nature et des lignes très minimales, froides, avec d'autres matières, des vieux meubles. On pourrait passer des heures chez toi à t'écouter avec toutes tes histoires, tes expériences. La musique aussi a une place très importante dans ta vie, t'as fait quelques projets aussi dans tes caves secrètes. Tous ces gens à travers ton travail que tu rencontres, avec qui tu fais des beaux projets, comment est-ce que ça se passe ? C'est les gens qui t'inspirent ou c'est des projets que tu avais en tête et tu cherches les gens pour les... Non, je crois que j'ai jamais de projet réellement en tête. Je crois vraiment que c'est les rencontres, les passerelles que tu tends, enfin que tu tisses, enfin les liens que tu crées. Non, je crois vraiment que c'est... je sais pas, c'est comme ça, une énergie. Moi, je parle toujours d'énergie, donc c'est plutôt d'énergie que tu partages. Donc, tu vas attirer bizarrement des gens avec des périodes. Tu parlais de la période de musique où tout d'un coup, pendant 3 ans, tu vas te passionner pour ça, faire de la musique dans ta cave, écrire des paroles, construire des chansons. Et puis après, je sais pas, c'est le jardin. Et puis après, tu passes à la cuisine. Donc, c'est vrai que c'est un peu différent. Je crois que le lien après, c'est sans doute la création. Je sais pas, l'art, la création, l'envie aussi. C'est bien, tu as réussi à tout mélanger et à créer ce projet qui est quand même assez important aujourd'hui dans ta vie, qu'on a vu à Bruxelles et aussi à Paris, bien exposé. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet que tu as fait ? Alors, tu parles de Maison Parisienne. Exactement, Maison Parisienne. Alors, Maison Parisienne, oui, c'est peut-être le... Je ne sais pas si c'est un aboutissement, parce que c'est peut-être que le début d'ailleurs, mais en tout cas, c'est la rencontre entre ce que j'aime faire, dessiner, je dirais créer, c'est-à-dire les mises en scène, et puis en même temps le choix d'exposer des gens qui ont peu de chance ou pas souvent l'occasion d'être exposés, moi que j'appelle les savoir-faire ou les créateurs d'art contemporain. Donc là aussi c'est un cabinet de curiosité effectivement. Là c'est le choix volontaire de créer un mélange entre les arts plastiques, la céramique, le bois, donc un grand bazar comme ça, que je transporte de ville en ville, de maison en maison. Mm-hmm. Oui, c'est sans doute l'aboutissement en tout cas des 20 dernières années. Bon, en tout cas, si tu arrives à avoir encore plus de profondeur dans ce projet, je suis très curieux et très impatient de voir ce que ça va donner, parce que c'est quand même un des très très beaux projets. C'est vrai qu'on mélange le design, l'art plastique comme tu disais, et tout ce talent artisanat. On peut trouver des pièces complètement brodées, on peut trouver aussi des tabourets qui sont faits d'une manière complètement surprenante. Alors, toutes ces belles collaborations avec toi et ces artistes quand même qui ont une certaine maturité dans leur travail, c'est aussi un peu un décalage avec ce que tu essaies de faire avec les Beaux-Arts, avec
On peut parler de fondation ou de bourse Au démarrage, c'est une association. Une association. Le fonds, c'est quand même une association qui les est là pour défendre, donc les Amis des Beaux-Arts, qui est là pour, à côté et avec l'école, essayer de faire des actions. Donc d'abord, de trouver des fonds, c'est-à-dire d'aller récolter des fonds auprès de généreux mécènes, comme on les appelle. Comme notre chère Agnès B, donc la présidente de l'association des Amis des Beaux-Arts de Paris. Et puis ensuite, c'est d'essayer, enfin le choix en tout cas de l'association, ça a été d'aider la jeune création, donc plutôt d'attribuer, si je puis dire, ces fonds ou cet argent à aider soit les étudiants donc en cours d'école, on va dire en cours d'études, donc les troisièmes entre autres et les cinquièmes années, avec une distribution de prix chaque année. Et puis maintenant, de plus en plus, d'essayer aussi de les aider après, c'est-à-dire ce qu'on appelle les post-diplômés, les aider dans les 5 années qui suivent leur sortie de l'école, parce qu'on a remarqué que c'était une période un peu plus difficile, parce que quand tu es aux Beaux-Arts, tu es un peu protégé, un peu coucouné, tu es dans ce monde, dans cette petite bulle fort sympathique, donc du Quai Malaquais et de la rue Bonaparte, et puis après, tout d'un coup, tu n'as plus forcément les mêmes moyens, les ateliers de maquette, les choses comme ça. Donc on est en train de développer une, puis là, 2 bourses à la production, donc qui seront des bourses annuelles qui sont données pour aider tous nos jeunes sortis de l'école. Voilà, donc là, c'est plutôt, effectivement, c'est de prendre, de voir la création quand elle émerge, dans ce qu'elle a de plus jeune et sans doute, je dirais pas de plus intéressant, mais enfin, en tout cas, plus fascinant et plus créatif, à contrario de ce que je fais justement chez Maison Parisienne. D'accord. Il y a d'autres projets que tu as en tête maintenant et que tu essayes de travailler ? Avec les Beaux-Arts ? Non, entre les Beaux-Arts. Tout ça. Donc, je sais que tu es très divers, tu vas dans tous les sens. Bah, actuellement, il y a un très beau projet qui va être inauguré le 11 avril, donc à Chaumont-sur-Loire. Tu connais peut-être le Festival des Jardins et ce domaine qui lie l'art et le Festival justement des Jardins. Et donc, j'ai travaillé avec Miguel Chevalier, donc un artiste numérique, qui sera d'ailleurs sur les murs du Grand Palais, je crois, cette semaine avec Art Paris. Et là, il a créé 3 jardins, enfin 3 lieux différents, qui sont des jardins virtuels. Ça me fait penser à des jolies plantes qui sont ici. Des jardins numériques sur lesquels poussent des plantes bizarres, dans le manège à Chaumont, donc dans le manège, les écuries, etc., étables. Donc ça, c'est un projet... ça, c'est pareil, c'est des choses que j'aime bien, c'est mélanger justement le jardin, comme tu disais tout à l'heure, le mur que j'ai à la maison, et en même temps de l'art. Voilà. Après, il y a un livre, il y a un gros livre en préparation pour Patrick Roger, Le Chocolatier, mais qui sera un livre un peu bizarre aussi, puisqu'il mélange... en fait, il va s'appeler 365 fois Patrick Roger, et l'idée, c'est de faire 365 portraits de lui. Non pas portrait au sens cliché, prendre une image, mais représenter 365 fois une part de lui. Alors ça peut être à travers sa sculpture, son chocolat, une envie, une image, un objet de sa vie. Donc c'est vraiment c'est un ouvrage un peu lourd. Mais à force de travailler avec tous ces artistes, toi, ton art à toi, t'as pas envie de l'exprimer d'une manière ou d'une autre, à force de faire... retire des petites souris au fond de tes tiroirs, il n'y a pas quelque chose qui a envie de s'échapper de tes doigts ou de son cerveau. Je sais que déjà organiser toutes ces expositions et ces organisations, c'est beaucoup de travail créatif, mais je parle de matériel concret. Être artiste, je pense que c'est vraiment autre chose et c'est pas franchement pour moi important ou en tout cas ma vérité. Moi, je me prends plus ou je me vois plus comme un passeur, comme un transformateur. Ça, c'est une sorte d'alchimie, quoi. Je parlais tout à l'heure d'énergie. C'est vraiment d'essayer de mélanger des énergies entre les artistes, pourquoi pas aussi entre des marques. Quand mon travail, c'est par exemple de conseiller des marques sur leur stratégie d'identité ou d'image et autres, c'est de brasser tout ça. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est déjà faire œuvre. Que de mélanger, que d'aller chercher certaines spécialités ou certains artistes, de les faire se rencontrer ou les faire travailler ensemble ou les faire s'exposer ou exposer avec d'autres. C'est ça qui m'intéresse. Alors après, à ma petite échelle, je vais bidouiller des trucs, mais je ne crois pas que ce soit intéressant. Enfin, moi, pour moi, la mise en scène peut être aussi... Oui, bien sûr. La mise en scène ou la mise en exposition ou la curation peut être complètement une
forme de, en tout cas de création. Je ne sais pas si c'est de l'art. C'est de la création. Bien sûr, c'est un... Très bien. Donc si jamais on se sent artiste et artisan, on peut te contacter, te proposer nos beaux objets. Donc si jamais vous avez des objets à proposer à Monsieur Dimanche, n'hésitez pas. Bien sûr, Franciscain Sunday. Nous vous fournirons son adresse email en privé. Et puis nous, on continuera de regarder tous tes beaux projets. Et je sais qu'il y a pas mal de choses qui arrivent, pas mal de dates qui vont venir pendant l'année 2014. Si jamais tu veux nous communiquer pour notre public qui n'attend que ça, n'hésite pas, et puis nous, on sera là pour toi. Donc s'il y a quelque chose que tu as besoin de open the gate, si tu veux qu'on vienne te filmer ou consulte ton travail en direct, c'est avec plaisir. Mais bien volontiers. Parce qu'on aime beaucoup ce que tu fais, Jean-Marc. Chaumont, Bruxelles, Londres à la rentrée. Londres, qu'est-ce qui va se passer à Londres? Bah, Londres, la deuxième session de Maison Parisienne en 2014 sera à Londres, au moment du PAD, donc je pense octobre à peu près. Donc. Chaque exposition, ce sont les mêmes artistes ou tu parfois en rajoutes ou resélectionnes? Non, on change. Alors il y a un noyau dur, si tu veux, on a nos chouchous, on a notre esprit un peu maison malgré tout. Et puis après, on mélange. Je dirais qu'à chaque fois, il y a quand même 60% quasiment de nouveaux ou de nouvelles œuvres et ou de nouveaux artistes. Donc, sachant qu'une expo, un grand format, c'est une cinquantaine d'artistes et plus de 200 pièces quand même. Donc ça permet quand même un bon renouvellement. Voilà, d'agiter un peu tout ça, enfin le brassage dont je parlais. Non, moi j'ai très très excité de ce projet, en plus c'est toujours dans de très beaux lieux et la sélection est vraiment incroyable. C'est vrai, de la chance. Si j'avais de l'argent, je ferais quelques chèques après mes sorties de Maison Parisienne. Voilà, s'il y a des généreux donateurs qui nous regardent, qui, non, non, qui nous essaient. Ou des gens qui cherchent des belles pièces pour leurs beaux appartements et maisons. Tout à fait. Je pense que c'est un très bel endroit à découvrir. Très bien, merci beaucoup Jean-Marc. Ben, merci à toi. Et à très bientôt. Et bravo pour les boîtes. Merci d'être venu ici avec nous. Salut. Thank you for watching Open the Gate. It was an amazing interview with Jean-Marc Dimanche. See you next Friday at 9 p.m. every week, every Friday. Bye.